Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a... Et du gravillon spécial Ducati. On compte que t'as une Ducati là. Ben regarde, elle est rouge non? Ouais. Mais c'est pas une Multistrada. Non, je pense pas non. On est sur une route de chèvre. Ah, regarde, c'est parfait ça. Je t'ai prévu gravillon, herbe et bien sûr un revêtement de merde. Tout ce que j'aime. Surtout avec un pneu comme ça, quoi. Bah, le pari, c'est que tu tiennes la journée sans perdre de pièces. Ouais, bah, on verra bien du NG. Hein. Allez, on y va. Bon, allez, tu vas voir Benji si je perds des pièces. Bon, allez, sur notre toute nouvelle Ducati Diavel 1260S. Donc, c'est vraiment le modèle haut de gamme de chez Ducati. Tout équipé. Niveau confort, on a vraiment une selle incroyable. Vraiment, c'est même bluffant d'avoir autant de confort sur une moto comme ça. Quand on voit le gabarit de la moto. Donc sur le modèle S, forcément, donc on a du coup les meilleures suspensions et un freinage Brembo. Donc suspension Ohlins, réglable. C'est vraiment super agréable. Même sur une route défoncée comme ça, la moto réagit super bien. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour définir ce moteur. Il est vraiment diabolique. Les Komodo sont vraiment très très bien positionnés. Ils ont un rétroéclairage qui permet d'un rouge qui donne un côté un peu futuriste à la moto. L'écran TFT, un très petit mais on le voit très très bien. Il y a juste ce qu'il faut dessus. Et même aujourd'hui avec beaucoup de soleil, on voit parfaitement ce qui est marqué dessus. Il est très très lisible. Oh, c'est vraiment une dinguerie cette moto. Oh. Ça pousse, mais ça pousse. Oh, il y a quelque chose que j'adore cette moto. C'est aussi le système de démarrage sans clé. On le voit de plus en plus maintenant. Mais il faut avouer que c'est quand même très pratique d'avoir la clé dans sa poche. Tu appuies sur le bouton et tu pars. Ouais, vraiment Ducati, ils sont vraiment pas foutus de nous sur cette moto. Hein. Bon, les accessoires, on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est confortable, c'est puissant, c'est tout tombe vraiment sur la main. Alors moi, je fais 1m90, mais vraiment, la moto est vraiment très très agréable. On est très très bien installé dessus. Tout tombe vraiment bien pour moi. Après, pour mon gabarit, alors peut-être qu'il faudra peut-être modifier peut-être pour certaines personnes, mais en tout cas, pour moi, c'est la position parfaite. J'ai l'impression de conduire un roadster alors que c'est vraiment un monstre cette moto. On peut, quand on voit les gabarits de la moto, on se dit ça paraît hyper compliqué à conduire et en fait c'est vraiment incroyable. La moto fait 245 kg pour environ 160 chevaux, mais franchement 245 kg là dessus c'est carrément ridicule quoi. Quand on voit le poids de ses concurrentes et surtout la maniabilité de la moto, c'est incroyable. Surtout avec le pneu arrière en 240. C'est des Pirelli Rosso 3 qui vont super bien sur cette moto. La moto a un grip d'enfer. La maniabilité de cette moto, c'est vraiment un vélo. Mais vraiment, c'est incroyable. On a l'impression d'être sur un roadster. Ça marche, c'est vraiment fou cette moto. Elle a vraiment un débattement qui est vraiment incroyable. On sera juste limité par rapport au calpier qui touche très facilement. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment... Voilà, j'ai beau le dire, c'est un vélo, quoi. C'est une facilité déconcertante. Donc après, l'équipement là-dessus, on en a parlé vite fait tout à l'heure avec Jérémy, mais c'est vraiment tout ce qu'ils ont mis sur la Panigale au niveau de l'amortissement et du freinage. Le freinage est vraiment bluffant. Il peut être à la fois très très doux
si on y va doucement et vraiment, ça arrache les bras quand on freine. C'est vraiment du bon matos. Bon, le réservoir fait 17 litres. Et là, comme vous pouvez le voir, sur le tableau de bord, on est à peu près à 6 litres de moyenne. Et pourtant, on tape quand même dedans un petit peu depuis ce matin. C'est vraiment incroyable. Quand je compare avec ma Benelli, qui a à peu près le même moteur, mais en 3 cylindres, je fais 15 litres au 100 avec la mienne. Et là, celle-là, ils annoncent quand même des consommations qui sont très réduites. C'est assez bluffant quand même, ce qu'ils arrivent à faire avec des moteurs aussi puissants et une consommation qui est quand même ridicule par rapport à la puissance de la moto. Alors, cette moto est équipée de plusieurs modes de conduite. Il y a vraiment de quoi faire, que ce soit en ville, sur les petites routes et vraiment en mode sport. Bon, après, il y a même des launch control. Là, je vous invite à aller voir la vidéo de Bader sur Moto et Motard, l'émission Highside. Il en parle vraiment beaucoup mieux que nous. Nous, on est là vraiment pour tester la moto en condition dans les routes de chèvre, comme le dit bien Benji. Et ça secoue, je peux vous dire, ça secoue. Mais alors, la moto, elle est d'une facilité déconcertante. L'amortisseur est vraiment génial. Et le freinage, mais c'est bluffant. Ça marche bien. Ah, c'est vraiment une moto incroyable. Elle n'a pas trop de concurrence, cette moto. Il y a la Harley Davidson FXDR qui pourrait être, dans l'idée, à peu près une concurrente. Il y a maintenant, chez Triumph, la Rocket 3 qui sont à peu près dans la même catégorie. Après, au niveau du tarif, allez, dans les 25 000 euros à peu près, c'est sûr, c'est cher pour une moto. Mais quand on voit tout ce qu'il y a dessus, l'équipement d'origine de la moto et le placement de la moto par rapport justement à la FXDR et la Rocket 3, c'est des prix qui sont quand même similaires et à peu près normal par rapport aux motos qu'on a entre les mains. C'est incroyable, ces motos, vraiment incroyable. Pareil, cette finition aussi avec l'éclairage full LED, faut avouer quand même que c'est super beau et c'est très très efficace. Bon, c'est pas tout, on va aller retrouver Balou pour faire un petit débrief de la moto, voir un petit peu ce qu'il en a pensé aussi de son côté, et puis je vais lui redire un petit peu ce que j'ai ressenti moi au guidon de cette moto. Déjà, merci aux Mas Lunes de nous permettre de faire cette petite vidéo ici, hein, parce qu'honnêtement... Il y a pire comme endroit, je pense. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal, et surtout avec cette moto. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, justement? Franchement, très surpris. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Déjà, quand tu vois la moto, le gabarit, tu te dis, ça va être lourd, compliqué, surtout avec le pneu en 140, 240 à l'arrière. Ouais. Ça va vraiment être compliqué. Et puis tu en fait. Tu penses qu'ils avaient besoin de compenser quelque chose là ou pas? Moi non, mais. Peut-être. Ventard. Non, mais franchement, tu la conduis, tu retrouves les mêmes sensations que sur un roadster, un gros roadster. Moi, je suis habitué en plus avec ma Benelli. Ouais, des suspensions quand même très raides, mais ils sont réglables avec la suspension Rollins. Ouais. Mais franchement, c'est bluffant parce que tu t'attends pas du tout à avoir autant de facilité de conduite. C'est très confortable. Ils ont mis cette espèce d'ourlet un petit peu, ouais, qui te cale bien. Et il le faut parce que quand tu accélères, ça n'est pas semblant. Et avec ce petit détail marqué de Javel dedans, c'est super beau. Mm-hmm. Franchement, c'est étonnant comme moto. Je ne pourrais pas te dire. Il y a tellement de puissance, mais à la fois,
tellement facile à conduire. C'est un gros roadster. Même si le pneu arrière est très très large, les virages se prennent assez facilement. Ouais, c'est assez agile. Après, tu es vite limité quand même par les repose-pieds. Ouais, les quarts de sol, à mon avis, tu dois limiter. Touche un petit peu. Mm-hmm. Mais franchement, c'est facile à conduire, quoi. Vraiment facile. Alors, ce serait une moto qui serait destinée à quel public si on enlève le prix, hein, parce que forcément, on est sur du premium. Bah, c'est difficile parce que c'est une moto à part entière. Ouais. Elle n'a pas vraiment de concurrente. On en parlait tout à l'heure. Parle peut-être la Harley, FDX, ouais. Et la Rocket 3. Mais c'est des motos, je pense que quand tu achètes ça, c'est que tu as envie de te faire vraiment plaisir. Tu peux vraiment rouler. Ça a beaucoup de couple. Et mine de rien, ça ne consomme pas grand-chose. Quand tu regardes le consommation moyenne, on est à 6 litres au 100, c'est fou, quoi. C'est hallucinant, ouais. C'est quand tu vois le moteur qu'il y a, les accélérations qu'on arrive à faire avec ce genre de moto, ça ne consomme rien. Donc après, l'utilisateur qui va acheter ça, c'est, je pense, il choisira au coup de cœur la ligne. Mmh. Et puis après, parce que l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut aussi. C'est une Bugatti, on peut vraiment la personnaliser un peu comme on le souhaite aussi. Et c'est vrai que c'est quand même une moto qui ne passe pas inaperçue, en tout cas, quoi. C'est vrai que le guidon tombe directement sous la main, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. On dirait vraiment un roadster, quoi. C'est fou. Mm-hmm. La position de conduite est très agréable. Puis le look, vraiment, je trouve vraiment magnifique. Ouais. Bon, de toute façon, Ducati, ça a toujours été leur force. Donc pareil, tu vois, là derrière, on a la petite poignée qui est super intelligente chez Ducati. C'est, tu donnes un tour de clé sous la selle. Ouais. Et ça peut se re-rentrer directement pour avoir une finition derrière. Il n'y a plus rien du tout. Oui, parce que normalement, tu peux rajouter en option le dosseret de mémoire. Tu peux le rajouter, effectivement. C'est ça, hein, tu as le dosseret en plus. Et ça, si tu veux l'enlever, tu as juste à donner un tour de clé, tu le rentres et tu n'as plus rien derrière. Limite, moi, j'aime bien. Je trouve que ça lui fait une ligne un petit peu plus longue. Sinon, elle serait un peu courte à mes yeux. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont intégré aussi directement les clignotants dans le pare-roue. Donc alors, là, on a effectivement tout le full LED sur cette moto. Ouais. Qui est vraiment, vraiment très, très jolie. Démarrage sans clé. C'est vrai que c'est quand même des options qui sont vraiment très confortables, effectivement. Quoi. Alors, pour finir, tout simplement, qu'est-ce que tu en as pensé? Par rapport, tu as pu essayer quand même pas mal de motos dernièrement, hein, la Nanti, c'est vrai, la dernière Africa Twin, tu as la Benelli TNT, c'est sa moto habituelle, donc tu sais ce que c'est qu'une italienne gourmande, parce que 15 litres au 100, je considérais que c'est du gourmand. qu'est-ce que tu en as pensé? C'est difficile de se prononcer vraiment sur pas mal de choses, parce que c'est une moto qui est hors norme, en fait, vraiment. Ouais. Elle a énormément de couple, énormément de puissance, mais à la fois hyper confortable, hyper joueuse et très confortable. C'est vraiment une surprise, Une belle surprise, alors. Je pourrais vraiment... Tu peux partir en Corse avec sans aucun problème, ou faire vraiment des routes de montagne, vraiment... elle enchaîne les virages sans aucun problème. Ouais. Et à la fois, tu te mets en mode cruise, tu roules sur l'autoroute ou sur voie rapide, consomme rien, tu es super bien protégé. C'est étonnant, surtout qu'il fait quand même 1m90. Ouais, c'est donc c'est que ça, tu ouais. aies cette impression de protection, c'est quand même énorme. Et ils ont une bulle aussi en plus qui peut se rajouter. Ouais, qui peut se rajouter. Qui peut vraiment faire l'autoroute, mais franchement, déjà là, ça protège bien déjà. Moi, d'un aspect extérieur, je les essaye pas les motos, vous le savez, on en a déjà discuté. D'un aspect extérieur, bon, l'esthétique, j'aime beaucoup. Hein. Déjà, le bruit, j'aime très vraiment. C'est et sympa. C'est le pot d'origine, hein, vraiment. Tout d'accord. Quand on roule, c'est très très sobre, vraiment. Hein. On n'entend presque pas. Sauf qu'on vraiment monte dans les tours, hein, forcément. Mais sinon, le bruit est très agréable. Et pour une Ducati, ça fait pas trop de bruit, je trouve. Il est très raisonnable pour cette moto. J'adore le principe de ce côté minimaliste du compteur et qui par contre est vachement efficace en termes de lisibilité. C'est ça. Il m'a fait un petit peu peur tout à l'heure. Hein. On a mis le tour de clé, on a vu 666, on s'est dit est-ce qu'on y va? Je vous le mettrai dans la vidéo, c'est vrai que là c'est un signe. La moto du diable avec 666, là franchement on peut pas faire mieux là quand même. Encore merci à Ducati. Et donc à Motopark, hein, de nous permettre encore de faire un très bel essai. C'est Rosso Corsa du coup du Ducati Montpellier qui nous prête cette moto, effectivement. Ouais. Donc merci à Jérémy d'ailleurs pour la présentation du début pour la partie technique. Et on se retrouve très rapidement pour un prochain essai. Et ce que je vous propose, c'est de mettre dans les commentaires si vous avez des questions spécifiques auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Eh bien, on est là pour ça. Ah.
Maintenant, je vous propose de découvrir le film de fin, et on se retrouve après dans le bonus. En mode dent normal, elle est super douce, très agréable, mais alors dès qu'on tape dedans, oh, les bras ils se rallongent, c'est dingue. Oh, on va avoir des combattures ce soir. Oh. Alors Benji, t'as retrouvé les pièces ou quoi? Ah, je pense pas, non. Ah, c'est plus que c'était Ducati. Hein. C'est des Pirelli Super Corsa. Ah, merde. Donc les pneus, c'est des Super... Ah. Les pneus, c'est des Corsa. Ah. Les pneus, c'est des Pirelli Rosso 3. Bon, Multistrada, hein, Benji. Moi, je suis sûr que la Diavel, elle peut le faire. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, la Ducatini? Allez, la Diavel, c'est parti. Hop là. Vous avez envie juste de rencontrer une femme? Et mais vous ne supportez pas qu'elle parle, c'est bien ça. Vous aimez les courbes? La volupté? La sensualité? Ah, c'est peut-être l'animal qu'il vous faut. Ducati, la femme idéale. Elle démarre au quart du tour.